Yo, une petite vidéo pour montrer. On va décaper le pot Bidalo pour monter sur le Fox. Donc c'est un pot de nitro. J'ai vu un petit truc comme qu'on pouvait dérouiller avec du vinaigre. Et pour le décalaminage, la technique de Arnold Mober avec de la soude. C'est pas en cristaux, mais c'est pas grave. Voilà. Alors c'est parti. Bam, donc ça c'est bouché. Maintenant, le vinaigre. Voilà, j'ai pris du vinaigre à 14 degrés d'alcool. Ou d'acidité, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. À mon avis. Ah ouais, ça cocotte, Elliot. Donc j'ai entouré ça avec une espèce de guenille, une espèce de saut lapin mécano. Et on va laisser tremper et agir. Allez. Donc là, ça fait au moins 3 heures que ça macère. Je l'ai secoué et on voit que ça a changé de couleur. Là. Tout est vraiment la rouille. La rouille est en train de passer à travers. Je vais déballer et je vais rincer. Allez, rinçage. Je pense que maman sera pas con. Sera pas déçu que je fasse pas ça à la maison. Bon, ça paniquait à baignoire comme dans Breaking Bad, heureusement. Je vais bien rincer et j'essaie de le sécher. Là, je me dépêche. Je l'ai séché à l'acétone. Je me dépêche à lui foutre un coup de WD-40 ou de peinture parce que c'est un truc de dingue. Comment détruire une douche. Voilà. Bon, fin de la bataille. J'ai stoppé l'oxydation avec du WD-40. J'ai quand même remis un petit coup de brosse métallique et de l'eau à fond les ballons pour rincer le vinaigre. Donc le vinaigre de nettoyage à 14 degrés, ça dépote. On voit toujours, il y a des trous, hein, mais il y a quand même moins d'oxydation. Je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux. Je prendrai peut-être un convertisseur de rouille et puis un coup de bombe haute température noire de chez Action qui va bien. Mais là, de toute façon, j'ai plus de WD. Voilà. Allez, on continuera demain pour vider la soude et voir ce qui en ressort. Allez, ciao.